vache. Carte. Non, non. Oh, fais chier. On a le pass 3. On peut déployer le truc. Ok, on va déployer le truc. Oh la vache, il y a des plantes. Putain, dépêche. Ah, là-bas. Ok, je crois qu'on l'a... Je crois qu'on est bon. Ouh. Non, enfin, franchement, il fait pas peur, lui. C'est un peu de la merde. Plus il fait deux pas, il se fatigue. Non, c'est, il est nul. Il est vraiment nul. Que l'échantillon est là. On n'avait pas un ordinateur aussi à aller voir. C'était niveau 3, je crois. Oh putain. Je n'ai pas peur. C'est quoi, c'est là? Non, c'est où? C'est là, notre salle. Sens-tu la mort qui approche? Pas du tout. Alors, propriétaire qui a rencontré la sécurité depuis quand? Le Nest est un nid d'espions. 3 le mois dernier et un 4e ce mois-ci. Renforcer la sécurité, manque vous le finir comme procédant. Sachez aussi que je vais restreindre l'accès à la zone ouest. Aujourd'hui, ignorer toute demande du siège à propos de G. Les bureaucrates n'apportent rien au projet, de toute façon. Accès non autorisé détecté, dispersion d'herbicide à un employé non autorisé détecté à la zone est. Ah, c'est moi. C'est moi, ça. D'accord. Enfin, c'est le professeur, c'est pas moi. Pas moi exactement. Mais... Ah, on y va. Tout se passe bien. Ouais, ouais, j'ai son bracelet. On a son code et tout ça. C'est pas moi. Professeur, il fait n'importe quoi. Hank? Cassette vidéo du laboratoire. Oh putain, j'ai un... On a des portes qui s'ouvrent automatiquement avec des bracelets, mais on a des cassettes vidéo aussi. Oh. Opération Nest Breaker. Par contre, on va bien trouver un truc pour la lire ici. Ah, là c'est juste là, je pense. Alors, il nous faut le truc. OSS. OSS. Waouh, putain, génie. Non. Ouais, c'est 117. Tada. Est-ce qu'on va voir Hank? Moi, je veux voir Hank. On a toujours pas vu cette cinématique quand il attaque Birkin. Virus G en visuel. Docteur Birkin, vous allez nous suivre calmement. Je savais bien que vous viendriez. C'est le travail de ma vie. Hors de question que je cède quoi que ce soit. Nous avons des ordres, docteur Birkin. Je vous le demande encore une fois. Ah.
Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris? On avait ordre de le ramener vivant. On est entré, mais on a eu un problème. La cible a résisté, on a dû la battre. C'est exact, monsieur. Bien compris. Juste les échantillons. Allez, on bouge. C'était des échantillons du virus. T'as merdé, Martinez. T'as merdé. William Birkin. Arrêt des recherches sur G. Umbrella Corporation a décidé de mettre fin à toutes les recherches sur G menées dans le laboratoire sur Saint-Denis. Toutes les financements du projet ont été coupés et le directeur du laboratoire William Birkin a été démis de ses fonctions. Ils vont pas parler de Wesker parce que Wesker aussi travaille là-dedans. L'arme biologique en évolution, vous mentionnez, vous ne faites pas pour le budget. Notre entreprise bénéficie des meilleurs financements des États-Unis. J'ai appris la bonne nouvelle. G est presque prêt. Je suis surpris que vous ayez omis d'en avertir le laboratoire de recherche du siège d'Umbrella. Mais je ne vous en tiens pas rigueur. You fucked up! Ouais. Voyez-nous les données, je vous prie. Vous en faites pas, vous avez fait du bon travail sur G. Nous en coupons du reste. Nous avons la preuve que vous avez tenté de vous approprier le projet G et que vous entretenez des contacts illégaux avec l'armée américaine. Vous disposez de 24 heures pour vous présenter devant le comité d'enquête. Cool. Cool, cool, cool. Qu'est-ce qu'il reste à faire, honnêtement? Quand on compare à la version originale, il y a le MO10 qui a récupéré, là. J'espère qu'il n'y aura pas ça. Encore des... Oh putain. On va recharger le lance-flamme. S'il te donne des trucs pour le poison... Je sens qu'on va se taper encore des plantes. Il reste peu? Ok. Mets-toi une tenue, Léon. Mets-toi une tenue anti-bactéries, machin, tout ça, là. On dirait ma douche. Ma douche, c'est un peu pareil. Ça va très vite. C'est énorme, c'est très sexy. Ah mais le labo il est super bien fait. Super classe. Je vais le recharger. Nous avons implanté l'embryon G dans le sujet. Nous avons pratiqué une incision de 50 cm entre la poitrine et l'abdomen et commencé l'observation. Avec l'aide de l'équipe médicale, le niveau de conscience du sujet a dû être maintenu entre 15 lucides et GCS10. Toutefois, ce niveau s'est détérioré et nous n'avons pas jugé nécessaire de poursuivre l'opération. Le sujet a été éliminé. C'était quoi ça, sujet 449 hein? 501, virus G a été inoculé au sujet 501 après s'être transformé en G. 501 a été mis en présence d'un groupe de 30 sujets de test. Après 2h et 36 minutes, un embryon avait été implanté dans tous les sujets sauf un.
Tous les sujets ont été éliminés. L'un d'eux a craché au cours de l'expérience et s'est ôté la vie. Alors, 628 et 639. Nous avons inoculé le virus G au sujet 628, qui avait montré une légère résistance au virus T. Le virus ensuite a été transmis au sujet 639, avec lequel 628 entretenait une relation intime. Mais ils ont fait ça en fait sur les gens à l'intérieur. Malgré les signes de résistance, était porteur d'un embryon après 24 minutes. La résistance au virus T n'empêche pas la détérioration mentale provoquée par le virus G. Ils ont fait ça en interne. C'est abusé. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. C'était facile. Oh. Il est temps d'aller retrouver Ada. Ok. Cool. Retrait non autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Début du confinement de la structure. La séquence d'autodestruction sera lancée une fois le confinement terminé. Pardon? Ça sent la fin? Ça sent la fin, on est à la fin là? C'est le moment de s'armer ou pas? Je veux juste savoir si c'est le moment de s'armer. Parce que là, ça sent pas bon là. Là, ça sent un tout petit peu pas bon. Oh la vache. C'est la ligne droite? Ok. Ah, comment on va s'armer? Non, attends. J'ai de la jeune sur moi. On va faire ça. Au final, j'aurais pu utiliser le lance-flamme beaucoup plus. Parce qu'il est vraiment cool et... on en a trouvé pas mal en fait. Je sais vraiment pas pourquoi ils ont jamais récupéré le système de Resident Evil 3 hein, pour ça. Avec le truc que tu gagnes de l'expérience quand t'en craft, plus t'en craft et mieux t'en fais, enfin tu fais des balles spéciales et tout ça. Je vois vraiment pas pourquoi ils ont jamais voulu récupérer ce système. Hein. C'est incroyable. Tu regarderas comment j'ai fait le boss qui vient après tailler. Ok, ça marche. On a encore deux places. On verra, on va voir ce qu'on a besoin. On va sauvegarder avec ça déjà. Et après, on va voir. Je suis en train de me dire que je devrais me soigner en fait. Non, on verra. On va voir. Destruction sera lancée une fois le confinement terminé. Attention, retrait non autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Début du confinement de la structure. La séquence d'autodestruction sera lancée une fois le confinement terminé. On va, oui. Voir ce qui se passe. Pardon, William. Tu m'as pas laissé le choix.
Ah bah merci. Vous l'avez appelé William. Pourquoi ? Ça aurait pas dû finir comme ça. C'est de la faute d'Umbrella, tout ça. Vous en faites partie. Vous êtes impliqué là-dedans, non ? Oui. Mais jamais on a voulu que ça se produise. Dites-moi tout. Racontez-moi depuis le début. Vous en tirerez pas comme ça. Dieu, William, qu'est-ce que t'as fait ? Vous avez créé ce monstre. On a créé le virus G, mais à aucun moment on a voulu... Ne cherchez pas d'excuses. Vous êtes responsable. William, William, arrête! Oh la tête! Tête qu'il a! Il est là. Ça va, ça va, on est protégé, tout va bien. Résistant. Attends, qu'est-ce qui reste ? Ok, on met ça et ça. Ah.
face. Vache! Il est résistant à tout. Il n'y a que son point faible. Oh là, non, 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 non. La tête qu'il a. Vous avez vu la tête qu'il a, c'est énorme. J'ai super peur. Attends, cela tu me fais un peu chier. Ah merde, j'ai pas le soin, j'ai plus de soin en fait. Trop sain. La cible est neutralisée. Fin de la quarantaine. Oh la vache. Ah, il reste plus rien à récupérer. Il est là, c'est bon. Ah, il est énorme ce combat. Il est superbe. Merde. Ça a l'air sérieux. À tout à l'heure, je sais pas si je dois vous croire. Promets-moi de détruire l'échantillon du virus G. Non, c'est une preuve. Ça ira au FBI. Tu crois cette garce? Oh. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle n'est pas du FBI. C'est une mercenaire. Elle va le vendre. Le virus G va aller au plus offrant. Ah, c'est des conneries. J'espère me tromper. Mais si le virus G tombe dans de mauvaises mains. Séquence d'autodestruction active. Utilisez l'ascenseur central pour évacuer immédiatement vers le quai du niveau inférieur. On a, je crois qu'on n'a pas de soin. Ah si, on a du soin. Ah super le combat. Il t'a tué toi, Gull? Ah. Il était vraiment cool le combat. On a plein de munitions maintenant de flingue. Okay.
On va prendre ça. On va prendre C. On va sauvegarder. Attention, séquence d'autodestruction activée. Elle est où la sauvegarde? Y'a pas de sauvegarde ici? Utilisez l'ascenseur central pour évacuer immédiatement vers le pont. Oups. Je crois qu'il y avait une sauvegarde. J'ai plus de cartouches de fusil à pompe. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le lance-flamme à la passe. On n'a pas la carte 4. Ah. Ah bah voilà. Alors la garce, ça va? Justement, je pensais à toi. On est deux alors. Je commençais à m'inquiéter. On forme une bonne équipe. J'ai quelque chose à te demander. La voie Léon. Libre. Allez, dis-moi que tu l'as. Deviendrait-il intelligent? Laisse-moi vérifier l'échantillon et on fiche le camp. Mais d'abord, j'ai croisé Annette. Elle dit que tu n'es pas du FBI. Oh, Léon. Pourquoi tu m'as pas juste donné l'échantillon? J'ai compris que, même si je voulais te faire confiance, je pouvais pas. J'espérais ne pas avoir à en arriver là. Donc c'était ça. J'étais qu'un pion pour toi. Je ne fais que mon travail. Et moi le mien, alors pose cette arme! Tu viens avec moi. Donne-moi l'échantillon, Léon. Je ne veux pas te blesser. Vas-y, tire. Je pense pas que t'en sois capable. Tais-toi, je te tiens. Ça sert à rien. Fais pas ça. Fais attention à toi, Léon. Il avait un petit faible pour elle quand même. J'aime beaucoup l'histoire entre Léon et Aïda maintenant. Oh la vache. T'es échappé du labo. Pas. Go. Attends. Attention, c'est oh. Qu'est-ce que c'est que ça, des générateurs? Je vais voir ce qu'il dit à la fin. Attention, séquence d'autodestruction activée. Utilisez l'ascenseur central
minutes avant détonation. Qui c'est? Claire. Non. Claire. Léo. Toi aussi, tu es là? Ouais. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute-moi. Il faut que tu partes. Vite. Oui. J'ai un moyen de sortir. On va y arriver. Où es-tu, là? Claire, t'es encore là? Léon? Hé, hey, Léon, je t'entends mal. Non, moi, je t'entends parfaitement bien. N'attends pas. Fiche le camp d'ici. Merde. Hé hey. C'est quoi, ça? Couteau? Sauvegarder. Ah, le... Ce qui se passe entre Léon et Ada, c'est très bien fait cette fois. Ça a une logique et tout, c'est bien. Couteau. On n'a pas besoin de ça du coup. Enfin, je crois pas. Je l'espère pas. Merde. Garde-le. Ah, mais chier. Le câble. J'ai pas de place. C'est une herbe quoi ça, bleu? Cadeau. Chier. On peut pas l'utiliser? Je peux pas l'utiliser directement au lieu, non? Non, non, tu déconnes. C'est pas le moment. Non, c'est pas le moment, t'as raison. Waouh, il y a des balles. Est-ce qu'on va... Oh.
Bouge. Faut pas que je reste là. Oh la vache. Ah. Ouh. Attends. Il y a des objets là. Quand on est en menu, on est en pause, on est d'accord. Ça. Ça. Passant finalement, tu vas faire FR. Ouais, la première fois. Enfin, j'avais dit à la fin de la démo que je le ferai en FR la première fois. Fait chier, on n'a pas la verte. Non, c'est pas grave. On va garder ça comme ça. On va sauvegarder. Faut vraiment le bracelet ? Faut pas sauvegarder ? Je suis en train de m'en mêler, c'est horrible. On va garder ça, comme ça nous offre un stack ouvert. Quoique, c'est débile. Et il nous faut quoi? Deux places. Prise double. Ça a évolué. Oh la vache. Amène-toi. Non, attends-toi pas. Pas mal, pas mal. La vache, le coup dans la tête. J'arrive pas à esquiver. Quoi. Je crois que ça s'est mal passé. Et là, il est pas mal dur à esquiver. Ouais. Séquence d'autodestruction. Ah, chier. On devait garder quoi? Faut que j'aille chercher. Ils l'ont nommé Tyran S dans le remake du coup. J'aurais tâté une peau mais je crois que c'est moi. Wesh. Allez go. Attention.
me faudrait de la place pour bah, pour la... Non, c'est... Tu veux que je te banne le troll? Tu me dis direct. Hein. Je te banne direct. Hein. Je te laisse vivre pour le moment, mais... Après, si tu veux rejouer à... Voilà, sans cesse, c'est ton problème. On va faire ça, jeter... Si tu veux passer pour un con... C'est ton problème. Je déconne, bonsoir à tout le monde. Ah! Putain, ça me démangeait, fais chier! J'ai encore banni personne pour éventer les deux. Oh la vache! Oh, c'est pas le moment! Droite, gauche, gauche. Attends, j'ai pris la. J'ai pris la... l'herbe verte. Non, mais bon. Sira avec son strange coat. Non, S, la version de l'ascenseur. On passe. Rajan. Berkin, il était jouable pour le pour l'esquiver, mais là, j'avoue que c'est un peu la merde. Ah, oh, intéressant. On a complété le stack, mais on n'a pas pris le reste des balles. Intéressant. Alors. Je suis un de ceux qui t'a donné raison sur 76. Ah ok. Ah, bienvenue alors. Tu vas pas te faire bannir, ça tue. On évite de, maintenant de parler de 76, parce qu'il y a des gens qui y jouent encore et je respecte ça. Ils peuvent aimer le jeu. Après c'est juste ce qui s'est passé autour qui était pas bon, mais on s'en fout. Maintenant c'est fini, c'est du passé. L'attaque, quand il m'attrape, ça me fait un peu peur. Ah oh, putain, il faut deux places, ça fait chier. Il faut deux places. Je vais garder le couteau juste au cas où. Ok, ça, on va les déposer. Allez, Léon, Léon, la boîte, la boîte. Let's go, Léon. On a 3, 4 soins. Pire, le cut il sert à rien du tout. De toute façon, j'ai pas grand chose à mettre à la place. On a plus de cartouches de fusil à pompe, on a que du flingue. Et du magnum et lance-flamme. Ok, go. Essayez d'esquiver sur la droite, voir ce que ça fait. C'est très mauvais. On est au. Putain, mais c'est quoi ce truc? Je sais pas ce que c'est. Un tyran. Thank you.
que je fais quoi? J'ai pas assez pour pas me faire spoiler. Ah ben, merde. Ah là t'arrives vraiment, ouais, t'arrives à la fin, quoi. Oublie ce que tu viens de voir. Bon, comment on esquive cette attaque? Vous pouvez stopper. Le chargement va trop vite, j'ai pas le temps de lire. Putain, s'il y avait écrit quoi? Garde le Deagle. Bon, ok. Les temps de chargement sur PC sont trop rapides, fait chier. Vite le cut, préfère. On a notre soin. On refait notre soin. Et je lui tire où quand il me charge? Juste dessus? Parce que pour viser le cœur pendant qu'il charge, c'est la merde. J'ai encore un emplacement. Ah, les balles. Là, on est bon. Attention, séquence d'autodestruction active. J'ai pas de soins en rad, comme ça je commence avec 100%. Non, j'ai pas. Bonne soirée Flint, merci d'être passé. Bonne soirée, bonne nuit, bon week-end aussi. C'est vrai que c'est le week-end maintenant. Bon week-end. Ok, go. Ok, on a encore 7 balles. Oh la baffe. Encore eux qui fait son beau, hein. J'aurais dû mettre peut-être le rajout pour le Matilda en fait.
panique de switcher d'arme, quoi. Non. Ok, on est bon, là, on est bien, on est bien, on est bien. Je crois qu'on s'est pas fait toucher une fois là, c'était pas mal. Oh yeah, merci Ada. Non, attends. Voilà. Le lance-roquette multiple de 66 mm. Modèle porté, il possède une capacité de 4 roquettes. Incendiaire provoquant la puissance, déflagration, on y va. Pas mort. C'est la bave du début, merde. Bon, oui, on s'est pris une... Oh la vache, on l'a coupé en deux. Yeah. Eh, on a la classe. Vous êtes arrivé au niveau inférieur. Vous êtes arrivé à votre destination. Non, sérieux. Ça va? Y'a rien à récupérer. Ah, c'est énorme ce lance-flamme, j'adore. Merde. Faut que je me tire d'ici. J'arrive pas à croire qu'elle me manque. J'arrive pas à croire aussi non plus. Hein. Je viens de la rencontrer. Hein. Léon ? Hé ! On a réussi. Tu vois, je te l'avais dit. T'es sérieux, tu... Mets-moi une cinématique un peu plus longue, merde. Qu'est-ce que tu me fais, là? Qu'est-ce que tu me fais, jeu? Un peu pourri, hein. Bon, après, peut-être que la fin, elle est plus grande avec... avec Claire, en fait, je pense. Elle est sûrement plus grande, plus longue. Yeah, on a fini un jeu, encore. Ah, il était top. Il était top. On va aller enchaîner sur Claire, du coup. Ah, c'était vraiment cool. Discord, monsieur. Attends, d'abord, faut qu'on regarde les modes qu'on vient de débloquer et tout ça. Faut que je vois un peu le carnage que j'ai fait, genre... 25 sauvegardes, 10 heures... On peut passer, ok, ça marche. Vraiment cool! Vraiment sympa. Je pense qu'ils ont bien rectifié en fait les problèmes de l'original, je pense. Enfin, je trouve, quoi, personnellement. Oh! Oh, ah, carrément! Ça, c'est. Ça, c'est Berkin, ça. 9h en hardcore pour la première fois. Ah, bah, putain, ça fait mal quand même. Oh la vache. Hardcore clair aussi, parce que sinon, c'est pas drôle.
Alors, nouvelle partie bis, maintenant disponible dans la section campagne du menu principal. La fin et certaines parties du jeu diffèrent dans le scénario bis. On va voir comment ça marche. Ah, mais donc en fait, on a vraiment scénario A, B et B, A ? Ah, normal ou bis ? Ben je sais pas, bis c'est quoi au final ? C'est la suite. Ah, ok, ah c'est bien ça alors. Ah, as-tu ? Parce que là c'est Léon A, Claire B, et là c'est Léon B, Claire A. En gros, c'est ça. Ça, je crois. Enfin, bis. Donc là, pour que je fasse la, le reste, il faut que je fasse nouvelle partie bis avec Claire. C'est ça, non? Ou pas? Je suis complètement perdu. Si je veux faire clair, je fais quoi maintenant? Partie bis clair, oui. Ok, ça marche. Oh, le bordel, quoi. Ils peuvent pas l'appeler A et B, comme avant? Au lieu de faire chier. Uniforme blessé. Uniforme classique. Classique blessé. Ah, même le classique blessé, ils ont mis ça, c'est sympa, ça. Du coup, tu peux faire le bis Léon aussi. Ouais, non, je vais pas faire ça.